En fait, on va parler principalement du stress, donc énormément d'augmentation de stress, burn-out, bore-out aussi, stress chronique, problème de sommeil. On a les troubles de l'anxiété, on a ce qu'on appelle la détresse psychologique avec de la fatigue morale, et puis l'aggravation de toutes les maladies psychologiques habituelles, troubles obsessionnels compulsifs, phobie, bipolarité, borderline, schizophrénie, etc. Pas de zéro, c'est-à-dire qu'on avait déjà une situation avant Covid qui était fragile. L'année dernière, on a le secrétaire de l'OMS qui a déclaré que la pandémie est un traumatisme de masse plus important que la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on a vraiment affaire à quelque chose de grave. Si on prend simplement le stress lié aux conditions de travail, ne serait-ce que le home office, beaucoup plus d'adaptation, donc du stress organisationnel. On a aussi un emploi du temps qui change, donc avec des horaires qui se décalent, un rythme de travail qui devient aussi plus dense, avec moins de pauses. Ces efforts plus importants en 2021 sont devenus assez normaux. Et de cette manière-là, on assiste à une dégradation des conditions de travail, en fait, qui devient malheureusement permanente. D'où très souvent une grosse démotivation des employés et envie de se réorienter ou de changer d'entreprise. Alors on a deux niveaux de solutions ou de remèdes. On a un niveau qui est à la hauteur des entreprises. Et là, on peut mettre en place toutes sortes de stratégies de protection et renforcement de la santé mentale au niveau du comité de direction, au niveau des managers, au niveau des collaborateurs. On peut même mettre en place des solutions de premier secours en santé mentale dans l'entreprise. Et puis après, il y a le niveau de la personne elle-même, donc des collaborateurs. Un conseil clé, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais ce serait d'essayer de maintenir un maximum les conditions personnel d'avant pandémie. Continuer à avoir de l'exercice physique régulier, surtout aussi continuer à avoir des connexions sociales, c'est extrêmement important.